Hein? On a attendu quand même 20 ans pour voir l'équipe nationale en Coupe du Monde. C'est avec beaucoup d'émotion. Hein? L'équipe du Maroc, je la suis depuis 70. Je me rappelle, j'étais jeune. La télé était en noir et blanc. Et puis, une nuit, je pense que c'est une nuit d'un samedi à un dimanche, il y a eu un but d'Oumane. Oumane, l'Airahmo. C'est lui qui avait ouvert, je dirais, le bal des équipes nationales en Coupe du Monde. Après, il y a eu le Mexique, il y a eu la France, etc. Donc, les États-Unis, 94, et la France en 98. Bon, en 70, c'était quelque chose d'extraordinaire, parce qu'à l'époque, déjà, le direct, c'était à la télé, c'était quelque chose de fantastique. C'était la première fois que la télévision était retransmettée via satellite. C'est la première fois. Alors qu'avant, qu'est-ce qu'on faisait? Les télévisions, elles ramenaient le film, et puis même chez nous, à la RTM, donc on ramenait la cassette, et puis on voyait le match le lendemain soir, ou le lendemain que l'équipe était revenue avec dans ses bagages la vidéo. Bon, c'est une autre époque. Après, il y a eu Mexique, 86, première équipe africaine à qualifier pour les huitièmes de finale. Il y a eu 94, trois matchs, trois défaites, mais moi, je ne suis pas d'accord parce que tout le monde parle de 86, tout le monde parle de 98. Et moi, je voudrais réhabiliter ces garçons-là qui ont disputé la Coupe du Monde 94 et qui pouvaient très bien gagner les trois matchs. Ils ont perdu les trois parce qu'en football, qu'on le veut ou non, ça, c'est sûr. Donc, ça, c'est très important en football. Il faut bien se préparer physiquement, il faut bien se préparer tactiquement, il faut avoir des bons pieds, évidemment. Il ne faut pas avoir des pieds carrés. Mais après, et des fois, tu l'as ou tu ne l'as pas. Et là, franchement, trois matchs, ils n'ont pas eu de chance. 98, la belle épopée avec Henri Michel. Là aussi, bon, les petits micmacs entre les Norvégiens, Brésiliens, tout ça, ça existe, hein. Ça existe partout. Ça existe entre le Danemark et la Suède. C'est comme ça qu'ils ont jeté l'Italie à l'Euro 2004. Donc voilà, donc c'est de bonne guerre en football. 2018, la Russie, après une très belle campagne, après une qualification gagnée à l'extérieur, à Abidjan, où il fallait quand même s'imposer, hein, contre la Côte d'Ivoire. Bon, évidemment, il n'y avait pas Yaya Touré, ni Yaya Touré ou pas Yaya Touré, on les a battus 2 à 0, on s'est qualifié pour le mondial. Là, maintenant, on a fait une bonne CAN aussi, même si je pense qu'on a un petit peu bradé, on pouvait faire encore mieux. On pouvait faire encore mieux. Peut-être qu'on est allé avec l'esprit de dire, bon, l'important pour nous, c'est de sortir des poules, et Adawa El Mohim, et finalement, quand tu te mets ça dans la tête, tu dis, ah, fil radi la CAN, l'objectif, ah, n'khrojdi les poules. N'khrojdi les poules, tu n'as plus la force de dire, bon, maintenant, on va essayer d'aller pas en quart, mais en demi, en finale même. Parce que quand tu vois après la valeur des autres équipes, et du champion, et du finaliste, tu te dis, finalement, le Maroc pouvait faire mieux. Mais le Maroc est en train de faire mieux. Il est en train de faire mieux, justement, depuis le début de l'année, avec ses matchs amicaux. On voit que l'équipe est beaucoup plus solide, beaucoup plus compacte. C'est un groupe. Et en football, c'est très important d'être un groupe. Parce qu'en football, si tu as des clans dans une équipe, ça ne peut pas marcher. Avant, il y avait des clans. Mais il y avait des clans parce que d'abord, il y avait du mal. Les groupes avaient du mal à s'assimiler les uns aux autres. Qu'on le veuille ou non, il y avait le clan des Hollandais, le clan des Français, les locaux, etc. Et là, finalement, c'est un petit peu comme, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du bus en Afrique du Sud, où il y a la rentrée, bon, ils parlent il y avait des blancs et des noirs dans le bus. Et puis, le chauffeur de bus, il est ici, vous êtes tous des bleus, hein. Donc, c'est le premier jour de classe, vous êtes tous des bleus, alors faites du silence. Et là, c'est la même chose. Donc, Hervé Renard leur a dit, ici, vous êtes tous des Marocains. Donc, il n'y a ni Français, ni Hollandais, ni local, ni Wallon, ni Ajnabi, ou la Kaylab Barra, ou la Kaylab le Maghreb. Ici, vous êtes tous les mêmes. Donc, l'important, c'est quoi? C'est le Maroc, c'est l'équipe nationale, c'est le maillot. Et là, je pense qu'il a très bien réussi. Il a très bien réussi, Hervé Renard. On le voit d'ailleurs, c'est un groupe. Ça a changé par rapport. Bon, on n'a pas accès aux concentrations comme avant ou avant. Moi, j'ai constaté.
la fracture qu'il y avait entre les différents groupes. Bon, là, on a l'impression qu'on voit que c'est un groupe qui est beaucoup plus uni. Bon, il y a des trucs qui sortent sur les réseaux sociaux. Après, on nous dit, par exemple, un jour, à une concentration, Hervé Renard les a réunis après le dîner, et puis chacun devait chanter une chanson. Mais debout sur une table. Donc c'est des petits trucs qui te disent que finalement, le football, c'est ça aussi. C'est former un groupe. Maintenant, le groupe, on l'a vu, il y a eu deux matchs amicaux, le premier avec l'Ukraine. Bon, un match nul, réconfortant sur le plan du jeu. Même chose avec la Slovaquie, là encore mieux. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Maintenant, il y a qu'il faut se concentrer. Il faut rester concentré, il faut rester déterminé. Parce que la vie de groupe, c'est pas simple, c'est pas facile. La vie de groupe, plus les jours passent, bien sûr que tu as un groupe uni. C'est comme une famille. Allez passer des vacances avec la famille. Vous allez voir, après 10 jours, 15 jours, il commence à y avoir des petits problèmes entre la belle-sœur, le beau-frère, le cousin et la cousine, etc. Et là, c'est la même chose. Un groupe qui vit ensemble. Hein. Donc, il faut bien maintenir, je dirais, la pression sur ça, justement, c'est-à-dire sur cette unité, cet objectif qui est quoi? Qui est celui de donner le maximum le jour J. Il y a une autre chose aussi qui m'inquiète un peu, j'ai l'impression de les voir déjà en forme, ou arriver déjà en forme alors qu'il reste encore une semaine. Et ça, c'est pas bon en Coupe du Monde. Regardez les Italiens, bon, bien sûr, les Italiens ils vont pas en Russie. Mais les Italiens, comment ils commencent leur Coupe du Monde? Aux États-Unis, ils terminent troisième du groupe, ils sont repêchés meilleur troisième. Ils vont en finale. En 92, ils sont champions du monde, comment? Vous avez vu le groupe? Comment ils ont fait dans le groupe? Match nul. Un match gagné comme ça. Parce qu'une Coupe du Monde, c'est étape par step by step, étape par étape. Donc, je suis un petit peu inquiet par rapport à ça, parce que j'ai l'impression qu'ils sont trop en forme. Et maintenant, ce soir contre l'Estonie, et puis la semaine prochaine, il va falloir calmer un petit peu les horaires et dire bon, maintenant, ça fait. Glsushua, et on pense à l'Iran. Ça, c'est le premier match. Et ça, évidemment, le match contre l'Iran. Moi, finalement, on est dans un groupe difficile, mais on n'a pas un bon calendrier. Parce que le bon calendrier, c'était quoi? C'était jouer contre le Portugal le premier match. C'est ça. Parce que quand tu joues contre une équipe comme l'Iran, c'est comme le Guatemala, c'est comme le Panama. Ce sont des équipes qui, le premier match, elles se déchirent. Elles jouent à fond. Parce que finalement, elles aussi, elles veulent briller. Et l'Iran, c'est la même chose. Vous allez voir. Ils vont faire un super match contre nous, et après, paf, ils vont plonger les deux autres. Contre le Portugal, c'était le contraire. C'est-à-dire, c'est le Maroc, par rapport au Portugal, qui est champion d'Europe, troisième classement FIFA, c'est toi l'outsider. Donc c'est toi le Maroc qui va leur faire voir au Portugais. Et là, tu peux les surprendre. Parce que les grandes équipes, généralement, elles démarrent mollo. Elles n'appuient pas sur l'accélérateur. Les grandes, vous allez les voir, premier match. Regardez le premier match du Brésil, le premier match de l'Angleterre, le premier match de l'Allemagne, le premier match de la France, vous allez les voir. Ils ne vont pas partir la tête foncée comme un taureau, la tête baissée. Et donc, la chose que je regrette, c'est qu'on ne puisse pas jouer le Portugal le premier match. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir faire attention quand même à cette équipe d'Iran. C'est sûr que sur le plan technique, on est meilleur qu'eux. Sur le plan tactique aussi, individualité, esprit, je ne sais pas, parce qu'eux aussi, peut-être, attention, eux aussi, parce que finalement, cette Coupe du Monde, on a l'impression de dire qu'il n'y a que nous qui avons un peuple derrière nous ou un pays derrière nous. Tout le monde a un pays derrière lui. Tout le monde. L'Iran aussi a son pays derrière lui. Donc eux aussi, ils vont jouer. Donc c'est un match qui est difficile à négocier. Il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Voilà, contre l'Iran, ne pas confondre vitesse et précipitation. Et tu termines, lorsque l'arbitre siffle la fin, tu as 3 points dans ta poche. Tu me dis Benatia, Boussoufa et Ahmadi. Intouchables. Les trois, c'est sûr. Moi, je veux rajouter même Belanda. Parce que ces derniers temps, on a dit, oh, Belanda, Nax, Belanda. Il y a même quelqu'un qui m'a interpellé sur Twitter, qui m'a dit, oh, allez, nous, H4 Goal. Belanda, tout le pays n'en veut pas. Comment tout le pays n'en veut pas?
Mais c'est un pilier de l'équipe nationale. Belhanda, c'est un pilier. Boussoufa, c'est un pilier. Ahmadi, c'est un pilier. Benatia, c'est un pilier. Il y a 4-5 joueurs que tu es obligé de les mettre. Tu les mets. 5-6 joueurs, tu es obligé de les mettre. Amrabat, le grand, pas le petit. Hein. L'aîné. Hein. Nourdine, voilà. Donc. Bon, Hervé Renard a décidé de faire à moins de Badr Banoun. Bon, c'est. D'abord, je vais vous dire un truc. C'est facile de critiquer. Bon, nous, évidemment, à la radio, tous les matins, on parle, on s'emporte, etc. Mais c'est normal, on est obligé de faire notre boulot. Parce que sinon. Mais. On parle, mais on n'a pas tous les éléments. On n'a pas les éléments. Qui a les éléments, tous les éléments? C'est Hervé Renard. Parce que lui, il les voit toute la journée. Il a l'œil. Il les voit dans la vie collective, hein, dans les couloirs de l'hôtel, il les voit sur le terrain. Et donc lui, ben, c'est tout. Si, je ne sais pas pourquoi Babadra... D'abord parce que il ne s'est pas imposé. Pourquoi il ne s'est pas imposé comme Kaby? Peut-être qu'il n'a pas la personnalité de Kaby, c'est tout. Ben non, peut-être qu'il n'a pas cette personnalité, Kershem ou la Mahat, je ne sais pas, donc c'est peut-être pour ça aussi. Quand tu rentres dans un groupe, il faut pas te dire « Ah, mais moi, je suis un petit, j'arrive d'un petit club, eux, ils jouent tous, il y en a un qui joue à Ajax, l'autre, il joue à la Juve, l'autre... » Tu es foutu. Si déjà tu raisonnes comme ça, il faut rentrer dans... Tu veux aller en Russie? Ouais, fais voir à Sarbi. Fais voir à l'entraînement. Tu te retrouves Kaby devant toi, Ziyech, fais voir un petit tacle. Fais voir. Fais voir en train de te dire, moi aussi, hein, je sais tacler, hein, regarde. Regarde comment que je tacle. Tu vas pas lui faire mal, bien sûr, à Ziyech ou à Kaby ou à Boutaïb. Mais tu as la possibilité à l'entraînement de faire voir ce que tu en veux. Donc finalement, moi je dis que lorsqu'un entraîneur décide de se séparer d'un joueur, ben c'est simplement c'est 50-50, c'est comme dans les divorces. Hein. On ne peut pas dire que c'est quand même, c'est pas gentil, Hervé Renard. Et qu'est-ce qu'il a fait Banoun pour mériter sa place? C'est la question que, c'est ce que je pourrais poser comme question à ceux qui disent pourquoi Hervé Renard et pourquoi Banoun ne s'est pas imposé dans le groupe. Il faut s'imposer, il faut savoir s'imposer. Pour avoir participé à deux occasions, hein, dans la préhistoire, par exemple, j'ai participé dans la préhistoire avec Loussad Smlali, l'Aïr Rahman, où vraiment on avait même pas les moyens financiers de notre politique, c'est vrai. Moi, je me souviens, moi, à l'époque, c'était l'ambassade d'Italie qui me payait les billets. J'étais à la chambre de commerce italienne c'est vrai, et je me prenais le billet parce que je savais que j'allais gréver sur la trésorerie. Et Lali me disait, italienne, t'inquiète pas, j'ai le billet. Et on allait à Rome, on allait à. Ouais. Bon, ça, c'est une autre époque. Aujourd'hui, on a vraiment mis. Bon, après, bien sûr, il y a eu les autres candidatures, hein. Il y a eu celle de Saad Khatani, il y a eu celle de Benima, en 2006 et tout ça. Bon, 2010, où vraiment il y a eu des moyens. Mais là, il y a non seulement les moyens financiers, parce que c'est très, très important ça. Parce que finalement, c'est des voyages, c'est des contacts, c'est des... Bon. Mais après, il te faut l'équipe. Et là, l'équipe en place, elle est extraordinaire. Donc, au niveau de l'exécutif, au niveau de la préparation des dossiers, etc. Et puis, il y a autre chose. Il y a la volonté politique qui a changé. Ça a changé. Parce qu'à l'époque, ce qu'on disait, on va faire. Maintenant, non. Maintenant, du moins, c'est ce qu'on nous a dit le premier jour. Qu'est-ce qu'on nous a dit le premier jour? On nous a dit, nous, on veut organiser la Coupe du Monde 2026. Et le Maroc ira de l'avant. Le Maroc aura des stades, il y aura le réseau de l'infrastructure, le réseau routier qui sera développé davantage, et le réseau ferroviaire. On va, au niveau de la santé aussi, il va y avoir des nouveaux hôpitaux, il va y avoir de nouveaux investissements hôteliers au niveau du tourisme, etc. etc. Et ce qu'on nous a dit, hein, c'est que Coupe du Monde ou pas Coupe du Monde, le Maroc fera, réalisera. Et ça, pour nous, c'est une bonne chose. Parce que Coupe du Monde ou pas Coupe du Monde, eh ben, ça restera
les hôpitaux resteront hein, pour les Marocains dans toutes les villes. S'il y aura plus d'hôtels, eh bien, il y aura plus de développement aussi sur le plan touristique et l'infrastructure et tout. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y a de changé par rapport... Maintenant, j'ai ma petite idée sur le... Alors on me dit... Ouais, c'est sûr, comme disait, comme tout le monde dit, il n'y a pas photo. Attends, il y a les Américains. Hé, les gars, vous savez, Mexique, États-Unis, Canada. Canada. Vous savez, le Canada. Le Canada, c'est encore c'est pire que les États-Unis, le Canada. C'est encore plus balèze. Canada, quand ta femme, elle accouche, et quand tu sors de la clinique, et on te donne une enveloppe. Et on te dit dans cette enveloppe, on te dit, voilà, vous devez ramener, on te donne le calendrier de vaccination de ton enfant. Donc c'est des pays qui ont atteint sur le plan social tout ce qu'on veut, développement économique et tout ce qu'on veut. Bien sûr qu'il n'y a pas photo. Mais dans un monde en pleine évolution, dans un monde où les puissants, de temps en temps, ils ont un petit peu de bonne conscience et ils se disent, on exagère quand même. Ouais, d'abord, hein. Eh bien, peut-être que je dirais que on va dire, ben, écoutez, il n'y a pas que les grands dans ce monde. Place aux puissances, aux pays émergents. Le Maroc est un pays émergent. Que fait le Maroc en Afrique? Eh bien, en Afrique, avec la Côte d'Ivoire, c'est le pays qui draine le plus d'investissements. En Afrique, où il y a pourtant l'Afrique du Sud. Hein. C'est un monstre, l'Afrique du Sud. Eh bien, les deux pays qui drainent le plus d'investissement actuellement en Afrique, sur le continent africain, c'est la Côte d'Ivoire et le Maroc. Donc il y a ça aussi. Et peut-être qu'on va se dire, bon écoutez, on va arrêter de donner aux grands. Les petits, on va les faire grandir. Et peut-être que, voilà, donc... Je pense que le 13 juin, ben, on dira Morocco. Le public marocain, qu'est-ce que vous le public marocain qui est trop le terrain, ou qui est de Fonda ou là, quel terrain, quel public marocain? Non, parce que j'ai vu en Suisse et tout ça, et j'ai vu c'est incroyable ça. Les seuls supporters qui descendent sur le terrain, c'est les Marocains. Pral l'okhrin là-bas, c'est pas des supporters. J'ai vu jouer les Portugais, les Suisses, les Anglais, tu veux jouer tout le monde, personne ne rentre sur le terrain. Ce que je voudrais dire, bon, de toute façon, ils vont bien se comporter, ça, je le sais. Ça, c'est un petit peu l'enthousiasme. Parce que de toute façon, là-bas, on a trop le terrain. Hein. Tu ne peux pas rentrer sur le terrain, là-bas. Hein. Même si tu mets 3-0 au Portugal, tu ne peux pas rentrer sur le terrain. Impossible. Impossible de rentrer sur le terrain. Donc, ce que je vais leur dire, c'est de continuer à supporter le Maroc. Hein, qu'on a un beau pays. On n'a pas un bon football. Parce que l'équipe nationale, il cache la forêt. Parce que Anna Botola Pro, je suis à Iéna. Donc, c'est pas maintenant le Cora. Mais on a une bonne équipe nationale. On a une fédération qui travaille. On a un sport qui n'est pas tellement. Hein, mais le football, la fédération de football, cette équipe nationale, j'espère qu'elle sert de locomotive au sport national. Et ça, c'est le message que je voudrais dire aux gens.